ce monde est-il réel? C'est une question qu'on peut se poser. L'autre jour, j'ai un pote Bernard qui vient chez moi, pareil. Fait un bout de temps que je n'avais pas vu, il a dit, ouais, Dieu, mais il voulait me parler absolument depuis 15 jours, puis il n'arrivait pas, quoi, il arrivait. Alors j'ai dit, bah, vas-y. Alors, il me dit, ouais, mais c'est pas évident. Bon, déjà, il me dit, est-ce que tu crois dans l'existence des extraterrestres? Je suis pas venu me parler de l'extraterrestre, c'est que cette histoire. Je lui ai dit, sérieux, là? Il était sérieux, quoi. Alors, je lui ai dit, bah, je sais pas. C'est obligatoire ou pas? Je ne voudrais pas nier l'existence des extraterrestres s'il y a une loi, attention. Mais il me dit, mais non, il m'a dit, ça n'a rien à voir avec les chambres à gaz, tout ça. Il m'a dit, là, c'est sûr, on a des preuves. Et... Alors, j'ai gueulé, j'ai dit, arrête, lâche-moi, j'ai dit, tu m'emmerdes, j'ai pas de problème, j'ai trop d'emmerdement en ce moment, c'est pour dire des conneries, tu vas chez toi. Puis tes histoires d'extraterrestres, à quoi ça sert? Franchement, je les trouve pas très motivés, tes mecs, hein. Faire des apparitions dans la nuit, là, sur deux photos à la con, des sculptures dans les champs de maïs, c'est ça qu'ils sont venus faire? S'ils veulent nous voir, ils savent où on est, l'extraterrestre, non? Ils passent un coup de téléphone, la chambre de commerce, tout ça, bon. Non, mais ce que je veux dire, évidemment, il se marre, il me dit, bon, Dieudo, t'as terminé de faire le comique? Alors, ouvre bien grand de tes oreilles, j'ai été kidnappé par les extraterrestres. Là, il faut tenir le regard. Ah, j'arrivais plus. Je me suis dit, il a décollé, j'arrivais plus à le regarder. Je dis, merde. 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 Toi, disparu. Comme Raël, je lui dis. Il me dit, non. Il me dit, moi, c'est la réalité. C'est pas pour baiser des gonzesses. Moi, ça m'est vraiment... Mais droit dans ses bottes, le gars. Ça m'est arrivé en 2007, chez ma belle-mère, à Villejuif. Alors j'ai dit, voilà, j'ai dit, si c'est une histoire antisémite, oublie-moi. Il m'a dit, non, il m'a dit, je suis pas humoriste, je te laisse ça, non. Donc, il me dit, on était dans le jardin, on discutait. Enfin, disons, c'est plutôt ma belle-mère qui me parlait, d'ailleurs. Et j'entends un bruit, je lève la tête, une soucoupe volante. Et donc, ta belle-mère, elle l'a vu. Et là, elle me dit non, juste avant. C'est ça qui est bizarre, elle me dit. Elle continue à me parler, malgré le bruit assourdissant. Il m'a dit, ça tremblait de partout. Ah, j'ai dit, c'était peut-être un diesel. Là, ça l'a pas fait marrer. Il m'a dit, si c'est pour se foutre de ma gueule, je m'en vais. Je lui ai dit, calme-toi, mais comprends que c'est pas évident. Mais il me dit, c'était pas un diesel, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, soucoupe volante. Donc, automatiquement... C'était du sans-plomb. Et alors, là, il me dit, il y a un tube lumineux qui est tombé sur moi, de couleur bleue. J'ai été aspiré dans ma soucoupe volante. Merde! Et ta belle-mère? Continue à parler! Je la voyais derrière le tube, il me dit. Je dis, oh, je monte, tu fais quoi, toi? Et je lui dis, mais t'as vu l'extraterrestre? Il me dit, bien sûr. J'ai été accueilli dans un sas, dans la soucoupe, par l'extraterrestre, en personne. Un genre de masse gélatineuse, comme ça, qui était en sustentation. Elle sustentait. Alors, il me dit, tout à coup, elle s'est approchée de moi. Je sustente, tu sustentes, il sustente. Je sustente plus. Alors là, il me dit, il y a un tentacule qui est sorti de la masse gélatineuse. Qui est venu se coller sur mon œil. Il dit, c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le tentacule était en réalité une fibre optique pour communiquer. Anglais, français. Alors, mon pote, tout de suite, hein, français. Il a dit anglais, ça va nous amener un peu tard. French, only, cocher la case. Bon, là, l'extraterrestre s'est présenté à lui. De manière parfaitement distincte. Bonsoir. Je m'appelle Bertrand. Je viens de Jupiton. Et là, mon pote, il a pris peur. C'est la CAF ? Caisse d'allocation familiale. Non, parce qu'il non, il est emmerdé. Il a des emmerdements avec la CAF. Il a déclaré des gosses qui sont pas à lui. Et voilà, il jonglait depuis 2 ans. Bon, il avait touché un peu des deux côtés.
Il avait la CAF au cul. Il s'est dit, c'est bon, ils m'ont retrouvé, c'est la CAF. Alors l'extraterrestre lui dit, je suis pas de la CAF, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries de CAF? Concentre-toi, c'est quoi ces conneries là? Sur Jupiton, il n'y a pas de CAF. Donc les dossiers ne sont pas transmis. Calme-toi, calme-toi. Donc là, mon pote s'est calmé. Il a dit, bon, qu'est-ce il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, l'extraterrestre lui dit, calme-toi. Tu n'as rien fait. Il se trouve que tu es l'élu pour le secteur est parisien. Ris-Orangis, Créteil, Papette. Papette, il a dit, t'occupes pas de ça. Regarde, suis mon tentacule, tu le vois? Il est plus là. Regarde. Écoute, voilà, non, t'as rien, écoute-moi. Écoute-moi. Bon. Ta mission est de prévenir tous les terriens de l'arrivée imminente des extraterrestres. 1er avril 2013. Alors mon pote, tout de suite, voilà, 1er avril, il a dit, c'est une blague. L'extraterrestre, il a dit non. Il a dit, tu me casses les couilles. Il s'est énervé. Tu me casses la couille, d'ailleurs. Ouais, non, sur Jupiton, ils n'ont qu'un testicule. Pour ça, ils sont très sensibles. Ah, il s'est énervé, il a dit, il me reste 5 galaxies derrière, si c'est pour me faire à chaque fois des connards de l'histoire de CAF et machin, dire à un moment donné, je m'en vais. Il était énervé. Hein. Mon pote a dit, excusez-moi, mais bon, alors là, qu'est-ce que je dois faire? Là, il a écouté. Il a dit, tu dois faire, toi personnellement, le prélèvement d'un impôt de 54 euros par terrien, qui correspond aux 54 décades de l'univers en expansion. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, il me pose pas la question, j'ai arrêté en troisième. Donc, tout ce qui est triangle isocèle, il m'a dit, je sais pas de quoi on parle. Alors, j'ai dit, mais comment tu vas faire? Ils t'ont filé une soucoupe, un défraiement, quelque chose? Et là, il m'a dit, oui, Dieudo. Ils m'ont donné 6 sestrels, qui est la monnaie en vigueur sur Jupiton. Et là, il m'a sorti les sestrels. Il les a posés comme ça. Ah, je lui ai dit, on dirait des cailloux, tes trucs, c'est quoi ça? Il m'a dit, oui, ça ressemble à des cailloux, mais ça vient de Jupiton. Donc, automatiquement, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, il m'a dit, écoute, Dieudo, si je suis venu te voir et te parler de cette histoire, évidemment, c'est top secret. Il m'a dit, je voudrais que tu me rendes un service. Est-ce que tu peux faire le change à ta banque? Non, parce qu'il a interdit bancaire, avec ses problèmes de CAF. Donc, alors moi je lui ai dit, je vais voir ce que je peux faire, hein, mais bon, tu me préviens en plus. J'explique qu'en plus en ce moment j'ai des problèmes avec les impôts. Si je les paye ancestrels, je sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai dit, mais c'est quoi le taux de change? Et là il me dit 500 euros le cestrel. Vous emmerdez pas sur Jupiton. Ouais. Ma femme a dit, te rentre pas là-dedans et tout ça, mais bon. Tu sais, c'est un pote de 20 ans, c'est pas facile, hein, donc j'ai accepté. Bon. Ça fait 3000 euros, bon. Je me suis dit, ça peut être un placement aussi, t'es marrant, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on dirait des cailloux, je suis d'accord aussi, hein, c'est vrai que... Non, c'est vrai, celui-là, on dirait vraiment un caillou. Hein. Non, ça se trouve, je me suis fait baiser. Hein. En même temps, tu me diras, l'euro, c'est du papier. Hein. Ça se trouve, on s'est fait baiser aussi. Hein.